Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un fond à la peinture acrylique avec des effets de nuances, de couleurs. J'utilise trois couleurs qui vont me permettre de travailler sur un nuancé de bleu. Alors j'utilise un bleu turquoise, un bleu cyan nacré et puis du blanc. Vous voyez que je dépose directement la peinture sur la toile. Déjà parce que ça évite les pertes de peinture quand on utilise une palette, mais surtout parce que ça me permet de créer des nuances très facilement et en direct sur la toile. Vous voyez que c'est très simple de réaliser un fond nuancé comme celui-ci. On va caresser la peinture avec le pinceau en allant d'une couleur à l'autre et ça crée tout de suite un effet nuancé. Alors, on ne peut pas vraiment parler de dégradé de bleu parce qu'on ne va pas d'une couleur foncée à une couleur claire. Il y a un mélange de foncé, de clair, de nuances qui s'opère sur l'ensemble de la toile quand on procède de cette manière. Cette technique est très simple et elle peut être utilisée avec n'importe quelle autre couleur. On va pouvoir travailler n'importe quel nuancé de couleur. Moi, je dirais que le blanc aide beaucoup quand même. On a tout de suite un effet garanti. Alors, on ne va pas trop tirer sur la peinture parce que sinon, on risquerait d'avoir une couleur très uniforme. Donc, on évite de passer et repasser toujours au même endroit. Et si on doit le faire, on le fait d'un geste léger. On évite d'insister et d'appuyer trop fort sur le pinceau. Autrement, on perdrait le côté nuancé qu'on recherche pour ce fond. Pour uniformiser l'ensemble de ce fond, on va déplacer le pinceau de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. De cette manière. Cette démonstration se termine, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt !